des autorités et de la population de la province de Liège, je vous souhaite la bienvenue au Palais provincial. C'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui en prélude à l'ouverture de la deuxième édition du Festival du film de comédie de Liège pour cette rencontre avec la presse. Une deuxième édition qui démontre que la première a été un succès populaire et qui me permet de souligner le soutien renouvelé des pouvoirs publics mais aussi des partenaires privés à l'organisation de cette nouvelle édition. Merci à vous tous, organisateurs, membres du jury et partenaires, de nous offrir cette parenthèse de rire et de découverte via une programmation internationale qui démontre non seulement que l'humour ne connaît pas de frontières, mais qu'il peut également rassembler les peuples. À cet égard, que ce festival soit organisé à Liège, ville cosmopolite et chef-lieu d'une province qui réunit deux communautés linguistiques et qui compte deux frontières internationales, est plus que symbolique. Et ce choix me réjouit. Aussi, car il permet de mettre particulièrement en lumière l'expertise et les talents liégeois en matière audiovisuelle et cinématographique. Je vous remercie pour votre présence et je passe la parole à Paul-Émile Motard, député président. Bien, moi je disais, bonjour à tous et à toutes d'abord, je disais en aparté à Julien Lepers que c'est quand même une situation un peu singulière dans la mesure où la culture est un peu en deuil pour l'instant, avec les décès de Jean d'Ormesson et de Johnny. Mais la culture est vivante, et c'est ça qui est extraordinaire. Elle est vivante aujourd'hui par ce festival de comédie et par le talent de tous les artistes qui sont ici à Liège. Et je pense qu'on a toutes les raisons d'être heureux aujourd'hui, malgré le deuil de la culture, parce que cette vie que le cinéma nous apporte, mais j'aurais pu le dire pour les autres disciplines culturelles, cette vie que le cinéma nous apporte est une vie formidable. Et qui plus est, dans le thème de la comédie, les artistes qui sont face aux caméras ou bien sur les planches d'un théâtre et qui ont comme mission de faire sourire le spectateur ou le téléspectateur, c'est un pari toujours audacieux, mais c'est un pari réussi et c'est un pari nécessaire pour tous les habitants de notre province et pour tous ceux qui aiment le cinéma. Et donc, comme député aussi en charge de la culture, moi je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour ce lancement officiel de cette deuxième édition à laquelle la province et son département culture a directement répondu présent lorsque j'ai rencontré le dynamique directeur Adrien. Et nous allons vivre avec vous, je pense, des moments agréables. Et en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Et bienvenue à Liège. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Décidément, la dernière fois que j'étais président d'un festival, c'était le 13 novembre à Cosne-sur-Loire. Et il y a eu tous ces attentats, ces événements que vous connaissez tous. Cette année, c'est à Liège et bon, c'est la disparition de Jean d'Ormesson et de Johnny. Bien, cela étant dit, on va essayer de faire comme si la vie continue. On va essayer d'être le plus juste possible quant au palmarès et faire que ce festival soit une espèce de fête du cinéma. C'est tout ce que je peux dire dans l'immédiat. Je viens de faire 400 km avant que je suis un peu bousculé. Lors de la première venue, il y a un mois ici, il y a eu une conférence de presse. Je pense qu'on s'est expliqué sur tout ce qu'on avait l'intention de faire et dans quel état d'esprit on abordait ce festival. J'ai rien à y ajouter, si ce n'est que ça fait quand même
très plaisir d'être ici. Voilà, merci beaucoup. Top, je passe la parole à Julien Lepert. J'aime bien le top. Top, je suis. Bon, non, mais moi, c'est vrai que l'ambiance est plombée en ce moment. Moi, ça me fait une peine énorme. Deux personnages comme ça, mais on va en parler un petit peu ce soir. On fera une petite phrase, un tout petit hommage au début. Et puis après, on va lancer les... Moi, je souhaiterais ce soir, plutôt que de faire une minute solennelle, qui est un peu solennelle, de silence, je pense qu'ils étaient tous les deux très sensibles aux applaudissements. Et je pense qu'on fera une minute d'applaudissements. Voilà. Ben oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est gentil d'être d'accord avec toi. Je te remercie. Moi aussi. Je te remercie de me remercier. Et donc, ben voilà, une belle petite présentation, Adrien. On va préparer ça cet après-midi. Et puis on va lancer les projections après. Donc, c'est toi qui as la parole maintenant. Explique-nous ce qui va se passer. Il est là. Edouard. J'aime bien parce que quand parlait Gérard Darmon, Adrien se penche vers moi en disant « Après, c'est toi qui prends la parole. » Je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que je vais dire ?» Et finalement, Julien Lepers l'a pris. Je me suis dit « Je vais avoir un peu de temps. » Non, j'ai rien d'autre à rajouter, au-delà du fait qu'effectivement, oui, il y a un petit deuil quand même qui est assez conséquent. Et on est sur un festival de la comédie, donc il va falloir trouver de quoi rire. Mais je pense qu'en tout cas, on est tous heureux d'être ici. Voilà, rien, tout a été dit en fait, j'ai rien à ajouter en fait. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris ce micro. Voilà. Je vous aime tous. Le tour des membres. Pauline Lefebvre. Oui, ça, il marche. Appuyez sur le bouton. Ouais, il marche. Bonjour, je suis ravie d'être là. Moi, c'est la première fois que je prends la parole dans une conférence de presse où il y a des drapeaux officiels. Un peu genre, quand même, c'est important. Donc, je suis très flattée, très honorée de revenir à Liège. Moi, j'étais venue il y a quelques mois pour jouer. Avec Daniel Auteuil dans ce beau forum de Liège. Et je suis ravie de revenir. Donc, merci Gérard de m'avoir choisi dans ton jury. Enfin, c'est toi qui as choisi. Je ne sais pas si c'était toi qui as choisi d'ailleurs. C'est toi qui as choisi, donc c'est toi que je dois remercier. Et merci à l'organisation d'avoir validé le choix de Gérard Darmon. Et voilà, j'attends de découvrir la sélection dès ce soir. Et très bon festival à tous. Bonjour. Moi, je voudrais remercier. Je veux tous vous remercier et remercier Adrien d'avoir eu cette formidable idée de créer le Festival de la Comédie en Belgique. Je trouve que vraiment, s'il y a un endroit où il faut qu'il y ait un Festival de la Comédie, c'est ici. Et donc, je suis très, très heureuse d'être là, très heureuse d'être à Liège, une ville que j'adore. Et bien sûr, on pense à tous ceux qui ne sont plus là, mais je pense que, comme Gérard proposait ce soir de les applaudir, rions, voyons des films, continuons à célébrer la comédie qui est un art si difficile. Et souvent, il n'est pas pris au sérieux, alors que ça demande beaucoup de sérieux de faire rire et beaucoup de discipline. Voilà. C'est bien dit. Bonsoir. Bonjour, voilà, je suis Patrick Mille, je suis réalisateur et comédien. Je suis content d'être là parce qu'en fait j'étais là l'année dernière pour la première édition du festival. Je venais présenter mon film, Going to Brazil, et j'étais très heureux parce qu'on m'a demandé de rester une soirée de plus. Car j'avais eu le prix, le grand prix, et donc Adrien m'a demandé de venir cette année à une place qui est beaucoup plus agréable finalement, c'est d'être jury que de venir montrer un film, car nous mangeons mieux, nous sommes mieux logés, nous passons plus de temps, voilà. Et Adrien donc m'a dit viens maintenant, tu vas voir la seconde édition, tu verras, on a changé des trucs, on a appris beaucoup de choses et je tiens à le remercier d'être là. Je trouve ça super qu'il y ait un festival de comédie et voilà. Merci, vive Liège, la cité ardente. Merci à tous. Patrick pour le message. On va passer maintenant la parole à Lara Fèvre qui est jury court-métrage.
Oui, bah bonjour à tous. Moi, je suis très très contente d'être là. Je ne connaissais pas du tout cette ville. Donc, ça va être un plaisir de la découvrir pendant la durée de ce festival. Donc, étant dans le jury court-métrage, j'ai eu déjà l'occasion de voir de très très jolies choses. Donc, je suis absolument ravie de la qualité des courts-métrages qui sont donc, sélectionnés pendant ce festival. Et remercier Adrien qui m'a fait confiance pour ma première nomination en tant que jury. Voilà, très heureuse d'être là dans ce très bel endroit et de partager ça avec vous tous. On a une très belle équipe et voilà, merci beaucoup et merci à tous. Merci Léa Salamé. Voilà. Je vous en prie. Non, je plaisante. Il faut que tu lises les noms, ou t'essaies de présenter tous les noms. Ouais. Donc j'en ai un maintenant. Nous allons passer maintenant la parole à un invité d'honneur du festival, qui est M. Edouard Weintraub, directeur de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Bonjour. D'abord, je suis très heureux d'être à Liège, puisqu'il faut le dire, mais moi, j'ai vécu à Liège, donc plus exactement à Griffnier, à Vaux-sous-Chèvremont. C'est une ville que j'aime énormément. J'y ai passé une partie de ma jeunesse avec... Des Liégeois très connus aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des garnements comme moi, c'est-à-dire les frères d'Ardennes. Donc c'est toujours avec grand plaisir que je reviens à Liège. Et à la quinzaine des réalisateurs, j'ai essayé d'amener de la comédie, justement, depuis le début, avec un film de Podalydès la première année, ou avec Au témoin d'un doute la dernière année, ou avec Le tout nouveau testament de Jaco van Dormael il y a 3 ans. J'ai toujours essayé de donner un ton à cette quinzaine de réalisateurs qui soit en accord avec, un, les attentes du public, et puis deux, pour moi, la comédie, ça a toujours été le summum de l'art, aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Donc, je suis très content d'être à Liège, et la liaison de Liège avec la comédie, ça fait un double plaisir. Merci beaucoup, Edouard. Je vous propose maintenant peut-être de passer la parole donc à Jean-Baptiste Chêne-Merodrine, qui est dans le jury court-métrage et donc comédien. Oui, ça fonctionne. Vas-y. One, two. Malin, ça. Comme tout le monde, je suis très content d'être là et je pense qu'on a besoin de rigoler, donc j'ai hâte de rigoler en regardant les courts-métrages et les longs-métrages. Et j'espère qu'on sera bien inspiré pour donner des prix aux plus méritants. Voilà. Je vous embrasse. Donc on passe maintenant la parole à Catherine Benguigui. Oui, bonjour, je suis ravie d'être là aussi. J'adore la Belgique, j'adore les frites. Le café liégeois, évidemment. Et il me tarde de voir tous ces courts-métrages. J'en ai déjà vu quelques-uns à Paris. Je trouve que le niveau est très élevé et on va beaucoup rire. Voilà. Je passe la parole à Anouchka, qui a beaucoup de choses à nous dire. Hein, Anouchka ? Merci Catherine. Donc, petite aparté, donc, on cède maintenant la parole à Anouchka Delon, qui est aussi dans le jury court-métrage et comédienne. Non, je pense que l'essentiel a déjà été dit. Mais en gros, on est tous contents d'être là, donc moi aussi, forcément. Et... Non, j'ai hâte de découvrir les courts-métrages, j'ai hâte d'être émerveillée, de rigoler, parce qu'on est là pour ça. La Belgique, c'est aussi le peuple, c'est le pays du rire. Et... Non, mais partager de belles choses, je suis très contente d'être à Liège, parce que je suis déjà venue très souvent et j'adore cette ville. J'adore les gens ici, c'est un peuple accueillant et c'est vraiment le meilleur endroit en Belgique pour faire un festival de comédie. Donc merci Adrien. On passe maintenant la parole donc à... Madame Catherine Jacob, qui est dans le jury long métrage. Bonjour. Tout d'abord, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Et surtout, un grand merci à Jean-Luc Couchard, que je connais depuis 75 ans, et qui a été un partenaire formidable sur 2-3 petites crapuleries, et qui insistait beaucoup pour m'inviter au premier, à la première session. Je ne pouvais pas. Donc, je suis extrêmement heureuse d'être là et honorée. Nous allons essayer de rire, malgré le texte un peu lourd. Moi, j'aime bien les petits signes qui ne veulent rien dire, donc je trouve quand même étonnant que Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday nous quittent la veille de la Saint-Nicolas. C'est quand même un truc... On t'entend pas, Catherine. On ne m'entend pas. Alors, Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson disparaissent la veille de la Saint-Nicolas, ce qui devrait vous interpeller.
que chez nous, on s'en fout, c'est très différent, mais on est tous tristes et on est là pour dépasser nos chagrins. Voilà, merci. Nous passons maintenant la parole à Jean-Luc Couchard, qui est le parrain du festival. Redis un peu, Jean-Luc Couchard Jean-Luc Fouchard. Jean-Luc Fouchard. Jean-Luc Couchard. Non, ben voilà, je suis le parrain du festival et je suis à la base du projet avec Adrien. Et je suis très heureux, mais vraiment très heureux, parce qu'il y a eu la première édition, mais là, on a une la deuxième édition. Et maintenant, on a une plateforme pour la comédie en Belgique. Quoi. Donc, je suis vraiment hyper ravi. Parce que je trouve qu'on n'honore pas assez la comédie. Et donc, je trouve qu'un deuxième festival, enfin, un festival en Belgique, en plus dans le pays du surréalisme, c'est génial. Voilà, je suis hyper content. Et voilà. Ça se sent. Voilà. On cède maintenant la parole à Nicolas Georges, producteur liégeois, belge, et donc, qui est dans le jury court-métrage. Tout à fait. Donc, allô ? Tout d'abord, je voudrais remercier Adrien, parce que je trouve qu'organiser un festival comme ça à Liège, ça manquait. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Il y a beaucoup de sociétés de production à Liège, mais avoir un vrai festival de comédie, c'était important. Et donc, pour cette deuxième édition, j'étais ravi de participer, de découvrir plein de courts-métrages. Les courts-métrages, c'est toujours compliqué à mettre en place. C'est ce qui permet de découvrir des auteurs et faire des courts-métrages de comédie. C'est sûrement un des arts les plus compliqués. Et donc, voilà, je me réjouis. Et c'est très difficile de terminer parce que tout le monde a déjà dit tellement de choses qu'il n'y a plus grand-chose à dire, si ce n'est que je vais rendre la parole à Adrien qui va clôturer, j'imagine. Non. Je voudrais dire quand même bravo à Adrien et à toute l'équipe du festival parce que je pense qu'ils ont travaillé comme des oufs. Vous allez en venir. On peut les applaudir. Je voulais quand même excuser aussi Frédéric Diefenthal qui arrivera à 14h30 à Liège, ici au Palais. Comme ça, vous savez pourquoi elle n'est pas là. Je pense qu'ici, vraiment, l'objectif, c'était clairement de pouvoir proposer les jurys à la presse. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Donc, je cède la parole à qui le veut. C'est pas... Voilà. C'est comme... Guy Le Puiz. Guy, tu veux dire un petit mot ? Évidemment, évidemment. J'adore. Guy Le Puiz. Et je voudrais peut-être ajouter aussi quelque chose. Je m'appelle Samuel Danas, directeur opérationnel, avec collègue donc d'Adrien pour l'organisation du festival. Moi, je voudrais remercier aussi tous nos invités, tous nos jurés, de nous faire confiance aussi pour cette deuxième édition, parce que ce n'est pas simple aussi de convaincre pour un jeune festival. Et souligner aussi que ce festival, qui se veut international, et je vais rejoindre aussi ce que disait M. Paul-Émile Motard tout à l'heure, député, c'est que c'est aussi une vitrine de Liège, de sa province, de sa convivialité, de son patrimoine, tous les produits qu'on met en avant, les artisans. Et donc, je veux dire que c'est super important aussi d'avoir un événement comme ça porteur pour porter une ville comme la nôtre et la province. Et donc, je veux dire, tous nos invités deviennent un peu nos ambassadeurs à un moment donné au travers de ce festival. Et je voudrais vraiment vous remercier d'être présents pendant ces 4 jours. Merci. Merci. Des questions ? Non, Liège. Une question sur la gauche. Gérard Saint-Étienne qui dit aucune question. Une question. La sélection est beaucoup française, c'est normal. En fait, juste une question. Beaucoup de films français sélectionnés, mais pas beaucoup de Belges. C'est un français. C'est... Non, je pense pas. Je pense que la programmation est clairement diversifiée. On a un film allemand, un film suisse, un film italien, un film américain. On a un film français. Finalement, on a 2 films français. Voilà, maintenant, je pense qu'ici, par rapport... on a aussi Madil Belgium, qui est un film belge. On a beaucoup de courts-métrages belges. Voilà, peut-être que cette année, ça s'est pas mis pour qu'on ait un film belge par rapport à la sortie d'un film. Je peux dire que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de comédies qui se font en Belgique. Voilà, paradoxalement. C'est pour ça qu'on crée ce festival aussi. C'est ça le festival, c'est pour ça que le festival... Ce qui était assez étonnant, c'est de se dire qu'en Belgique, on a énormément de distributeurs, de producteurs, d'acteurs, d'actrices qui font de la comédie, mais on n'a pas la sensation qu'on sort beaucoup de films de comédie, et c'est ça. C'est beaucoup de coproduction. C'est beaucoup de coproduction, exactement. Je ne sais pas si je réponds à la question.
peut envisager que les Frères d'Arène touchent au genre de la comédie et que ce soit un projet qui pourrait être totalement inédit dans leur carrière. Alors, vous avez la question. Je n'ai aucun titre pour répondre à cette question. Moi, j'ai de la comédie. Je pense que aussi, pour le spectateur. Qui c'est? Oui. Après l'enfant, le fils, le fœtus, comédie. Ben, je pense que non, je pense qu'il serait tout à fait évidemment capable de faire une comédie, et je pense que ce serait pas plus mal de pouvoir aussi se épanouir le public dans un autre style peut-être que ce qu'ils font. Je pense que, mais après, c'est, évidemment, il n'y a qu'eux qui peuvent y répondre. Merci pour ces renseignements. Non, je ne vais pas changer. Oui, juste une question au président du jury, M. Darmon. Oui. Quelle est votre comédie vraiment culte, le film que vous avez vu, revu, qui vous fait le plus rire? Il y en a beaucoup. J'ai toujours du mal à répondre à un brûle-pourpoint comme ça, à ce genre de questions. Mais croyez-moi, j'ai vu beaucoup de comédies. Si on parle du passé, il y a toutes les comédies de Capra que j'aime beaucoup. Je trouve que La vie est belle est un chef-d'œuvre. Et dans les choses les plus récentes, je n'ai pas de titre précis qui me viennent à l'esprit. Je vois beaucoup de films. Quelques comédies, il y en a parfois qui me séduisent et d'autres qui ne me font pas rire. Bon, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ce soit mauvais, ça veut dire que ce n'est pas forcément toujours mon humour ou ma façon de voir les choses, la vie, d'appréhender le monde. Non, j'aime beaucoup, dans les contemporains, j'aime beaucoup Woody Allen. Première version, et puis voilà, en France, j'aime beaucoup les films belges, paradoxalement, tout, je trouve qu'ils ont apporté une espèce de folie et de décalage, et ils ont un peu cassé les codes, c'est assez fou, ça a commencé avec C'est arrivé près de chez vous, jusqu'à ce qu'on voit... là en ce moment, j'aime bien, ça rafraîchit un peu le genre. Voilà. Mais il y a une autodérision. Enfin, en France, il y a de très bons auteurs et un très bon décalage aussi. Ça peut arriver. Hein. Moi, je suis en train de penser au dernier film, l'un des derniers films de Guillaume Canet, où il y a une sublime scène avec Johnny Hallyday qui simule une cascade dans un escalier et qui se lève en disant rock'n'roll. Si ça, c'est pas de la dérision, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et c'est signé Guillaume Canet. Voilà. Merci.